Bonjour à toutes et tous. Nous avons voté au dernier Conseil communautaire deux décisions importantes, à la fois sur l'attribution des logements et à la fois sur la production culturelle et la diffusion culturelle dans cette agglomération. La demande de logements et notamment de logements sociaux à Cergy-Pontoise est très importante, mais il fallait mettre en place une procédure qui permette d'avoir pour toutes les communes et donc pour toutes les demandes, les mêmes caractéristiques. L'État nous impose 19 critères qui sont identiques pour l'ensemble des territoires français. La communauté d'agglomération a la possibilité de choisir trois critères. Premier critère qui est important, c'est la situation familiale et notamment pour les personnes en situation de handicap. La deuxième décision que nous avons prise est le lien avec le territoire, c'est-à-dire est-ce que la personne vit sur ce territoire de Cergy-Pontoise, est-ce que la personne travaille sur le territoire de Cergy-Pontoise. Et la troisième décision est bien sûr l'ancienneté, sachant qu'aujourd'hui, il faut plusieurs années pour trouver un logement social à Cergy-Pontoise. C'est ce qu'on a voté après une large concertation avec l'ensemble des maires, une large concertation bien sûr avec l'État et les bailleurs sociaux, mais on va aller vers plus de justice, plus d'équité dans l'attribution de ces logements, et c'est ce que nous avons cherché à atteindre au niveau de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Le deuxième point est une décision attendue depuis fort longtemps. Le forum de Cergy-Pontoise, qui a ouvert ses portes, je dirais, depuis maintenant un an, va nous permettre d'obtenir ce que nous souhaitions depuis plusieurs années, c'est-à-dire la labellisation de salles de musique actuelles. Cela veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire qu'on va rentrer dans un projet qui sera un projet culturel, piloté bien sûr par la communauté d'agglomération, mais aussi par la direction régionale d'action culturelle, pour nous permettre de faire des spectacles et de développer des projets qui auront une dimension nationale. Voilà l'enjeu, c'était tellement attendu, je dirais, avec le forum, que nous sommes contents d'avoir voté ce soir cette décision.